Le journaliste germano-turc Deniz Yücel, correspondant du journal Die Welt en Turquie, a été remis en liberté conditionnelle vendredi. Le reporter était détenu à Istanbul sans charge d'accusation formelle. On lui reproche notamment une interview d'un dirigeant du PKK, ennemi numéro un du pouvoir turc. Son sort empoisonnait les relations entre les deux pays. La veille, la chancelière Angela Merkel avait fait pression sur son homologue turc pour sa remise en liberté, prévenant que les relations bilatérales ne pourraient s'améliorer sans avancée sur ce dossier. Le premier ministre turc avait laissé entendre qu'il s'attendait à voir bientôt un développement dans le cas de Deniz Yücel. En amont de la visite du ministre turc, des manifestations ont eu lieu à Berlin. Véhicules et vélos décorés de ballons en forme de cœur rouge ont défilé dans la capitale allemande pour réclamer la libération du correspondant de Die Welt et celle des autres journalistes détenus en Turquie. Trois journalistes turcs de renom, accusés d'être liés au putsch manqué de juillet 2016, ont été condamnés vendredi à la prison à vie.